la reine ravie après avoir reçu un corgi de 6 semaines du prince Andrew. La reine Elisabeth II serait « ravie » d'un nouveau chiot corgi de 6 semaines qu'elle a reçu du prince Andrew, après avoir été « dévastée » après la mort de son chiot d'orgie le mois dernier. La reine a reçu 2 nouveaux chiens du prince Andrew en février pour lui tenir compagnie pendant que le prince Philippe se remettait d'une opération cardiaque. Cependant, elle a été dévastée lorsque son chiot d'orgie de 5 mois, Fergus, est décédé d'un problème cardiaque plus tôt cette année. Maintenant, le duc des York et ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie, lui ont acheté un autre chiot de 6 semaines pour son anniversaire. Le chiot actuellement sans nom lui a été offert à l'occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philippe. Une source du château de Windsor a déclaré « La reine a traversé une période difficile et elle est absolument ravie d'avoir un nouveau corgi. Elle était bouleversée lorsque Fergus est décédé subitement, mais ce nouveau chien sera une compagnie parfaite pour Muick à l'avenir. » Fergus a également été acheté par le prince Andrew avec un autre corgi, Muick, pour tenir compagnie à sa mère pendant que le duc d'Édimbourg se remettait d'une opération cardiaque. La triste mort de Fergus, 5 mois, est survenue moins de 2 mois après que la reine a dit au revoir à sa force et a resté le prince Philippe. À l'époque, une source avait déclaré au Sun, la reine est absolument dévastée. Les chiots ont été amenés pour lui remonter le moral pendant une période très difficile. Toutes les personnes concernées sont bouleversées car cela survient si peu de temps après la perte de son mari. On pense qu'elle a nommé le chiot Fergus d'après l'un de ses oncles décédé pendant la Première Guerre mondiale. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré à Lorraine à l'époque, c'est après l'un de ses oncles, qui était un héros de la Première Guerre mondiale. Il est malheureusement mort à la guerre, c'est donc un bel hommage. Elle avait dit qu'elle n'allait plus avoir de corgis. Mais ça a été un peu une période de test. En 2015, il a été signalé que la reine avait cessé d'élever des corgis parce qu'elle ne voulait pas en laisser après sa mort. Au cours de son règne, la reine a possédé plus de 30 chiens de la race et son dernier, Willow, est décédé en 2018 des suites d'un cancer. C'était la première fois que le monarque ne possédait pas de corgis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On pense également que Fergus et Muick ont été les premiers que la reine a eu qui ne descendent pas d'un corgi appelé Suzanne qu'elle a reçu pour son 18e anniversaire en 1944. Un initié a précédemment déclaré qu'elle était ravie de ses 2 nouveaux chiots alors qu'elle passait le verrouillage au château de Windsor. Ils ont déclaré le mois dernier, il est impensable que la reine n'ait pas de corgis. C'est comme si la tour de Londres n'avait pas de corbeaux. Ils ne sont là que depuis quelques semaines, mais on dit qu'ils sont adorables et ont fait du château leur maison. On dit que les deux apportent beaucoup de bruit et d'énergie dans le château pendant que Philippe est à l'hôpital.